bonjour. Aujourd'hui, je me trouve avec un artiste qu'on n'a pas fini d'entendre, Dirédi. Alors, salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Ta musique oscille entre le hip-hop, aussi avec le R&B, le reggae, le soul même. Mm-hmm. Et avant d'entreprendre ta carrière d'auteur, compositeur, interprète, tu avais comme été dans un duo avec Da Connection. Qu'est-ce que cette expérience-là t'avait apporté? En fait, c'était à mes débuts avec Da Connection. C'était un duo, oui, effectivement. Puis ça, pour moi, ça a été comme une école, en fait. Donc, c'était avec ce groupe-là, je me suis vraiment formé. Ouais. Puis c'était vraiment mes débuts au niveau de la musique. J'ai toujours été mélomane, mais c'est avec vraiment Da Connection que j'ai commencé vraiment à faire la musique, faire des spectacles, ma première fois sur une scène, etc., etc. Donc ça a été vraiment une école pour moi, en fait. Puis tu t'es toujours intéressé à l'univers de la musique? Oui, toujours, toujours. Le plus lointain que je me souviens, parce qu'en fait, il y avait Maison, c'était DJ. Ouais. Ils écoutaient beaucoup, ils avaient beaucoup de vinyles à l'époque, beaucoup de musique. Mon grand frère aussi était un gros mélomane aussi. Puis je pense que c'est un peu par rapport à eux aussi que j'ai été initié en quelque sorte. Donc, tu sais, j'écoutais toujours de la musique aussi longtemps que je me souviens. Donc, c'est ça. Puis c'est juste qu'il fallait peut-être une petite étincelle pour que je puisse commencer à faire la musique en tant que telle, de manière active, en fait. Puis est-ce que tu as toujours voulu en faire ta carrière? Ou ça a plus commencé quand tu as commencé à avoir des cours plus sérieux? Bien, en fait, c'est vraiment venu par hasard. Parce que pour moi, avant de faire la musique, quand j'écoutais uniquement de la musique, je pensais pas en faire, en fait. Okay. Tu vois, donc c'est vraiment venu de manière par hasard. Je me souviens, en fait, à l'époque, c'était des amis à moi qui faisaient pas mal de musique. Puis chaque vendredi, ils étaient réunis ensemble, faisaient, que ce soit, c'est des gens qui étaient très talentueux, ils chantaient, ils rappaient, ils faisaient du ragamuffin, du reggae. Puis chaque vendredi, ils se réunissaient ensemble, puis ils faisaient du a cappella, ils faisaient de tout. Puis moi, j'étais là. Je me souviens à l'époque, je venais à chaque vendredi, je les écoutais. Puis tout bonnement, comme ça, une soirée, je me suis dit, bon, écoute, on va essayer pour voir, parce qu'à l'époque, on chantait sur la douche. Il y a encore beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Mais tu sais, c'est bien. Donc, une soirée comme ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer pour voir ce que ça donne. Puis c'est parti comme ça, ils m'ont encouragé. Puis voilà. Me voilà ici aujourd'hui, oui. Puis assis, puis voilà, je fais de la musique. Exact. C'est ça, mais sinon, je pensais pas en faire une carrière, en fait. Au début, non. Au début, non. Puis une fois que la piqûre a pris, donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à... Écoute, ça, comment que je vois ça, c'est que j'ai vraiment intégré ça. Pour moi, c'est un mode de vie, en fait. Ouais. Donc, c'est là vraiment que j'ai commencé à penser, OK, je commence à écrire, prendre du coaching, etc., etc., avec l'encouragement des gens. Puis, c'est ça, faire un album, etc., etc., voilà. Est-ce qu'il y a des artistes morts, vivants, connus, moins connus, qui t'ont inspiré depuis le début? C'est sûr. Je dirais, dans un premier temps, je suis beaucoup inspiré par rapport à la vie en général. J'ai écouté, comme tu l'as mentionné tantôt, plusieurs styles qui m'ont influencé. Mais je dirais, avec le temps, tu sais, quand j'y pense, beaucoup, je dirais, Bob Marley, oui, beaucoup. D'une certaine manière, par rapport à son côté engagé, etc., etc. Puis, j'aime bien aussi, il y a beaucoup d'artistes que j'aime bien, dont... Lauryn Hill aussi, j'aime beaucoup aussi. Puis, un peu, écoute, que ça soit autant dans le reggae, dans le hip-hop, maintenant aussi musique du monde, musique africaine entière, je dirais qu'il y a pas mal d'artistes indirectement peut-être qui m'influencent aussi. Ouais. Puis en 2002, toi, t'as remporté le prix de la meilleure chanson R&B francophone dans le concours Hip Hop Forever. Ouais. Ça, c'est décerné par la SOCAN, donc c'est quand même un bon honneur. T'as dû être assez fier de ça. Et en quoi ça a été déterminant à ce moment-là dans ta carrière? Wow! En fait, ça... Parce que je me souviens, à l'époque, avec ce prix-là, en gagnant ce prix-là, ça m'a permis d'aller faire une petite tournée en France. Oui. Puis c'était ma première fois en France à cette époque-là. J'étais à Paris, j'avais un festival en banlieue de Marseille, à Aubagne. Puis je pense qu'avec ce prix-là, aujourd'hui, quand j'y pense, c'est un peu ça aussi qui je me suis dit, oui, OK, je vais continuer aussi par rapport à ça. Puis ça m'a permis aussi d'aller à une autre étape aussi. Oui. Parce qu'on a besoin de ça. Parce que même si tu es dans un début, on écrit pour nous-mêmes, puis on organise nous-mêmes des spectacles, on présente ça un peu à nos proches, etc. Mais je pense aussi avec ce prix-là, moi, ça m'a permis de me dire, OK, wow, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est le push qui t'a donné un peu le goût, puis qui t'a encouragé à aller plus loin. Oui, effectivement. Puis en 2007-2010, là, tu as plus fait la couverture des
de plusieurs festivals, de fait entre autres les Francofolies, tu as fait aussi Nuit d'Afrique. Nuit d'Afrique, oui. Nuit d'Afrique. Oui. Et à tes yeux, c'est quoi le rôle que jouent ces festivals-là dans le domaine des artistes émergents? C'est sûr, ça nous donne une tribune, je pense, aussi pour nous, une visibilité, effectivement, pour nous exprimer. Puis, de cette manière-là aussi, ça permet à rencontrer de nouvelles personnes, des artistes, puis de nous faire découvrir. Moi, je pense que c'est ça en général. Donc, ouais. Puis, est-ce que, selon toi, à Montréal, en ce moment, les plateformes musicales pour laisser libre cours aux artistes émergents, c'est suffisant? Est-ce que ça leur donne assez de liberté? Est-ce que ça les fait voir suffisamment? Est-ce que ça leur donne suffisamment de visibilité? Bonne question. Ça dépend dans quel style de musique. Oui, mais justement, dans le tien en particulier. Dans le mien en particulier, je veux dire, les petites plateformes, il y en a. Mais encore là, moi, ça c'est mon avis à moi, c'est encore... Waouh, c'est encore embryonnaire, je dirais, en fait. Okay. Pour que... Tu sais, ça commence. Je sais qu'il y a comme, si je donne un exemple comme ça, comme au niveau du style de musique que je fais, bon, c'est sûr, aujourd'hui, je vais plus dans la musique du monde, etc. Comme, je sais que Nuit d'Afrique font un truc pour l'émergence des artistes de ce domaine-là, mais je trouve quand même qu'il manque un peu, en fait, quoi. Il manque des outils, il manque de tribunes, de visibilité pour ce genre d'artistes-là. Ce qui fait que, La plupart du temps, ces artistes-là sont obligés de faire des trucs par eux-mêmes. Oui. Puis chacun est un peu dans son coin, en fait, quoi. Mais voilà. Manque un certain épaulement au niveau des artistes? Oui, il manque encore, oui. Okay. Il manque encore pour qu'il y ait un petit peu plus de visibilité, surtout au niveau des médias, je dirais, pour réunir ces gens-là ensemble, puis les donner des outils nécessaires pour qu'il y ait une plus grande visibilité au niveau du public. T'sais, le public qui veut vraiment s'informer, il va savoir où aller rejoindre ces gens-là. Mais sinon, c'est de la musique. Ça reste la musique underground pour moi, ouais, en fait. Okay. Ouais. Encore. Oui, définitivement. Puis tu sembles être quelqu'un qui est très attaché à tes racines haïtiennes. Mm-hmm. On l'entend beaucoup dans tes chansons. Ah, ouais, on le voit aussi avec certains projets que tu as faits, dont Racines. Mm-hmm. Est-ce que tu voudrais m'expliquer un peu de quoi il s'agit? Racines, à l'époque, c'était... parce que c'est sûr que j'aime participer à plusieurs projets. Racines, à l'époque, c'était... par rapport à ce spectacle-là, en fait, ça se voulait informatif, mais éducatif en même temps aussi. Donc, on voulait recréer un peu l'histoire d'Haïti pour un peu éduquer les gens. Si on regarde par rapport à ce qui a mené à l'indépendance du pays en tant que tel. Donc, ça, c'était pour Racine en tant que tel. Puis, chaque année, il y avait des thèmes différents, mais le gros du spectacle, en fait, c'était lorsqu'on avait fait le bicentenaire, le 200 ans. Sinon, dans l'album en tant que tel, c'est sûr, je suis attaché à mes racines, c'est sûr, tu sais, c'est mon origine, c'est de là que je viens aussi, puis bon, plus lointain, c'est en Afrique. Donc, c'est sûr que dans l'album en tant que tel, il y a deux chansons en créole, oui. Puis pour moi, c'est important. C'est sûr, je le fais en français, je le fais plus en français, mais c'est important de le faire en créole, puis je pense que je vais le faire un petit peu plus en créole, en langue, en fait. Dans les prochains albums à venir? Oui, définitivement. Okay. Oui. Ben moi, je t'encourage à aller vers là parce que justement, il faut promouvoir ce... Oui, c'est sûr, c'est clair. Puis bon, finalement, le 15 septembre 2015, t'as sorti ton premier album. Yep. Si ce n'était que pour l'amour, il touche à différents styles musicaux comme on en a parlé. Puis ça fait autant danser que réfléchir. Puis tu dis que ton inspiration pour les textes, ça provient justement de ce que tu as vécu. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu certains passages qui ont été comme plus inspirants que d'autres? Non, justement, ce que t'as vécu. Ah oui, définitivement. Il y a des chansons qui sont un petit peu plus personnelles. C'est personnel en général, l'album, c'est sûr. C'est que ce soit des expériences directes ou indirectes en tant que telles. Mais oui, définitivement, il y a des passages qui sont plus touchants. En fait, quel exemple que je pourrais prendre? Il y a une des premières chansons dans l'album, en fait, qui s'appelle Là-bas. Oui. En fait, ce que je parle dans cette chanson-là un peu, c'est une chanson qui a été écrite juste après le tremblement de terre, en 2010. Mm-hmm. Puis ce que je relate dans cette chanson-là, c'est ceux qui ont la force, ceux qui ont le désir de le faire, parce que c'est pas toujours évident, c'est de retourner là-bas, en fait. Ouais. Retourner là-bas pour aller reconstruire, pour aller, euh,
apporter cette expertise-là que les gens ont besoin, d'aller apporter cette aide-là, en fait. C'est comme si je fais l'analogie, ça serait peut-être un mouvement sioniste, en fait, quoi. Retourner là-bas, parce qu'il faut retourner à la maison pour devenir plus fort, pour se bâtir une nouvelle identité, en fait. C'est ça que je relève un peu dans la chanson, là-bas. Ça, c'est un des exemples. Puis aussi, la dernière chanson de l'album, c'est « Lueur d'espoir ». Lueur d'espoir, oui. C'est drôle parce que, bon, la chanson peut avoir l'air un peu triste si on la prend juste au premier degré. Pourtant, elle est très rythmée et très dansée. Fait que ça aussi, ça peut référer à ce que tu disais. Oui, oui, mais c'est bien que tu le dises parce qu'en même temps, si on regarde l'album en tant que tel, avec les sujets que je traite, ça pourrait paraître très noir. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que les rythmiques sont très groovy, sont très oui, effectivement. Puis c'est lueur d'espoir, comme tu le dis, c'est pour moi en même temps aussi, c'est un album qui reflète un peu les expériences de la vie. Puis c'est sûr que moi, quand j'écris, la plupart du temps, c'est peut-être quand j'ai le blues ou les trucs, ou si par exemple je passe un moment qui est très difficile. Mais en même temps aussi, c'est une source d'espoir. C'est une source d'espoir, puis c'est la source d'espoir, peut-être, sur le fait de manière métaphore, ça pourrait être par rapport à la rythmique, etc., etc. Donc, même si qu'on peut passer un moment qui est quand même difficile, mais en même temps aussi, il ne faut pas rester dans ce moment-là aussi. Non. Demain, il y a autre chose, tu vois. Oui. Donc, ce qui fait que je suis encore là, c'est que j'aime vraiment ce que je fais. Il faut se demander pourquoi on le fait, je pense. Oui. Ouais, il faut se demander pourquoi. Il faut avoir une raison spécifique. Puis surtout après ça, bon, les gens vont dire, c'est sûr que ça peut sembler être un cliché. Oui, il faut croire en nous. Il faut croire aussi à notre capacité. Puis il faut s'entourer aussi de gens aussi qui vont être en mesure de nous booster aussi pour continuer à avancer, à aller d'une étape à l'autre. Puis je pense aussi, bon, après ça, la détermination, etc., etc., le courage, oui, ça, il faut l'avoir. Mais je pense aussi, il ne faut pas se limiter. Parce que oui, c'est vrai, Montréal, mais en même temps, il y a plus que Montréal aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, il faut s'ouvrir les esprits. Pour les gens que moi, oui, c'est vrai, je me considère comme étant Montréalais, haïtien, mais en même temps aussi, je veux plus que ça, en fait. Tu sais, je veux aller à l'extérieur, je veux découvrir. C'est ça le but aussi. Puis moi, ce qui fait que je fais de la musique, en même temps aussi, c'est non seulement pour découvrir, mais aussi pour partager aussi. Puis je veux partager avec le plus de monde possible, voyager, apprendre d'autres cultures, etc. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte pour moi. Okay. Donc, c'est un peu ça. J'encourage les gens, puis c'est ça, quoi. Puis là, les projets qui sont à venir pour toi, à quoi ça va ressembler? Je sais que tu lances bientôt un deuxième vidéoclip. Oui. Okay. C'est à la fin du mois. Ben, c'est ce petit scoop-là, ça sort okay. Ce soir. OK. Ce soir, c'est le deuxième single, c'est Boom Blast. Oui. Puis on a fait le vidéo. Le vidéo, c'est... Nice. Ben, le premier était très bon aussi. Merci, merci, No Man. Donc, on le lance ce soir, en fait. Je le lance ce soir en soirée. Ben, écoute, à court terme, c'est vraiment continuer de promouvoir l'album, oui. Puis surtout aussi de continuer de faire des spectacles aussi. Je veux aussi, ben, en fait, c'est plus de la planification, mais je veux partir aussi en Europe pour le promouvoir aussi, pour le présenter là-bas, en fait, quoi. Présentement, sinon, je sais que j'ai un spectacle le 10 août. Ça, okay. C'est officiel à Rosemère. J'ai été invité aussi le 20 juillet aux Nuits d'Afrique aussi. Okay. C'est une artiste qui m'a invité, donc à faire quelques chansons. Sinon, on devrait me voir. Je sais que j'ai des petits spectacles par-ci, par-là, comme invité. Mais c'est vraiment les deux dates, les deux grosses dates, en fait, pour l'instant. Puis les autres, ça s'en vient tranquillement. Parfait. Ben, merci beaucoup, Rémi. Ben, je te souhaite une merci belle continuité. Merci de me recevoir. Puis ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci.